Ça, c'est la parcelle plantée. Le champ a été planté en 2000, en deux phases, 2017 et 2018. On voit le champ se comporte très, très bien. Là, et que c'est là, oui. Et tu, c'est rien ne peut plus arrêter là. C'est parti là. Le champ se comporte magnifiquement bien. Je suis vraiment ravi, j'ai rendu. Très très ravi, j'ai rendu. Très très ravi. Ce que je vois, là nous sommes en train de larguer. J'ai expliqué sur les vidéos précédentes c'est quoi les largages. Nous sommes en train de rabaisser les poiriers. Rabaisser, j'ai aussi expliqué le rabaissement. C'est de ramener la liane du poivier vers le bas, qu'elle puisse bien s'ancrer encore sur la fin de bien se nourrir et afin de faire donner les branches de production. Ça, vous voyez, les branches de production, c'est ça les branches de production. Les branches de production vers le bas, c'est ça le but. Et le pruning, c'est les tailler à chaque fois afin que on ait consécuté la plante que puisse nous produire les branches de production. Donc c'est ça le travail du jour. Et la semaine prochaine, voilà, nous allons étendre la parcelle encore. Je vais planter pour les tuteurs pour 1 hectare. Donc je vais planter encore 1 hectare de poivriers. Donc vous voyez le chantier est colossal. Donc, je vais encore étendre la parcelle sur 1 hectare. Sur 1 hectare. Vous voyez. Ça s'exprime très bien. Ça s'exprime vraiment très très bien. Le champ s'exprime bien. Ouais. Ça, vous voyez là, c'est le poivrier. Donc j'ai les théoriciens qui travaillent, qui sont en train de travailler. Le champ a été désherbé, vous voyez que c'est le boulot ne manque pas. Le boulot, celui qui veut se lancer en agriculture, surtout en agriculture du poivrier, surtout des cultures même d'ailleurs, ça ne manque pas. Le but aussi c'était ça, créer de l'emploi pour la communauté. Voilà, il y a une équipe qui est passée, il y a d'abord des aides. Là j'ai une équipe, voilà, les techniciens qui sont là pour travailler sur la culture, surtout sur le poivrier. Voilà, toutes les tâches, il y a plusieurs tâches. Hein. Et chaque tâche est rémunérée, chaque tâche est payée. Voilà. Quand on veut se lancer dans la culture du poivrier, il faut tenir compte de tout ça. C'est des tâches qui sont là, il y a plusieurs tâches. Et il faut passer sur chaque poivrier, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai 14 000 plants de poivrier, vous imaginez, il faut passer sur 14 000 plants. Et tout est manuel, hein. C'est se faire à la main. Ce n'est pas les machines qu'il faut. Les machines ne peuvent pas faire ce que les gens font. C'est fait à la main, vous imaginez. 14 000 plants. C'est fait à la main. Et je suis encore en train d'étendre la parcelle. Là. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui... C'est ça qui rend le poivrier aussi. À qui donne encore plus de valeur. Au poivrier, au poivre. Et puis à la culture aussi, parce que ouais, quand vous achetez le poivre, vous achetez aussi le savoir-faire du planteur et le savoir-faire. Et vous achetez aussi le terroir, c'est le sol, notre sol, le sol de mon département du Mungo. Voilà, c'est indication géographique protégée, le sol. Le sol, notre sous-sol est protégé, est riche. Le sol est fait de roches volcaniques. Et on est entouré des montagnes. Le mont Cameroun, mont Maninkouba, mont Koupé. Vous voyez, on est fait qu'entouré des monts là. Donc on a des vestiges volcaniques. Le sol est hyper riche. Hyper riche. Et c'est ça qui donne la qualité de notre poivre. Donc le sol est de qualité et
ce qui ressort dessus, en plus du savoir-faire, de notre savoir-faire. Voilà, c'est ça qui fait en sorte que notre poivre est de qualité. Notre poivre est de qualité, le poivre du monde. Donc vous verrez toujours poivre de Pinja. Donc, c'est ça, c'est ça le poivre de Pinja. Donc un poivre de qualité. Vous voyez aussi le travail. Un travail colossal, c'est un chantier colossal. Mon défi est immense et ma joie aussi est immense parce que derrière le travail, voilà, la plante aussi nous rend bien, le sol nous rend bien. Malgré le travail dessus, voilà, c'est ça. C'est pas facile. C'est facile, mais derrière chaque challenge, voilà, c'est ça. Je suis un homme de challenge, j'aime les défis. C'est ça. Et mon plaisir aussi est immense quand je me balade comme ça dans mon exploitation. Que je sais de revoir en arrière par où nous sommes passés. Ça me donne le plaisir. Quand vous voyez que c'est là, c'est à perte de vue. C'est partout. Cette parcelle n'a pas encore été élaguée. Donc les gars sont encore en train de bosser dessus. Ils viendront là, ils vont élaguer. C'est ça. Entendez les chants d'oiseaux, c'est ça. La biodiversité, le sol est naturel. Dès qu'on désherbe, on le fiche à la main. Il n'y a pas d'herbicide, il n'y a rien. On laisse la matière organique au sol. Elle pourrit. Elle va se décomposer. Elle va enrichir le sol. C'est tout ça qui donne après un poids de qualité. Il n'y a pas de tout chimique là, d'herbicide ou de quoi que ce soit. Donc vous avez toutes sortes d'insectes qui se baladent là. Vous avez de la biodiversité. Vous voyez par exemple, ça, c'est synonyme d'un sol riche. Voilà, un champignon. Un champignon qui sait. Un champignon. Il y en a plein comme ça, hein, vous voyez. Ça, c'est le champignon. Ça veut dire que le sol est riche. Le sol est naturel. Il n'y a pas de produits toxiques ou nocifs. Quand vous voyez les champignons, les spores comme ça qui montent, vous voyez, c'est bien, ça monte, c'est partout. Ça veut dire que c'est un sol organique bien riche. Vous voyez tout ça, tout ce qu'on coupe là, la matière organique qu'on coupe, qu'on laisse. Voilà. On marche là partout, on marche comme ça. On marche partout, vous voyez des champignons, c'est tout ça. C'est la matière organique. Toutes les matières organiques coupées, ça va se décomposer et ça va enrichir le sol. Vous voyez tout ça. C'est ça le travail. Le travail du jour, c'est ça. Voilà. Vous voyez, cette partie a été élaguée, bien nettoyée, les plantes ont été rabaissées. Vous voyez comment les plantes se comportent. Donc voilà, c'est ça le travail du jour. Donc, je vais devoir arrêter là. Je ferai d'autres bouts de vidéos comme ça, de temps en temps. C'est ça. Quand on suit. Ça c'est qui l'a baissé. Là, ce produit se comporte bien. Voilà, c'est ça. C'était rabaissé partout. Oui. Le but du lagage, le but, je tiens à répéter, j'ai dit tout à l'heure sur d'autres vidéos, permet de faire entrer la lumière. Cette lumière qui va permettre à la plante de faire sa photosynthèse. Parce que c'est grâce à la photosynthèse que la plante se développe bien. Donc voilà, c'est ça, c'est à perte de vue. Ça va jusqu'au fond, ça va jusqu'au le champ en pente, donc ça descend jusqu'en bas. Il y a 14 000 plants. Là, il y a un peu plus de 5 à 6 hectares, vous imaginez. Donc voilà.